Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire vous allez devoir vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, donc vous appuyez sur carré pour choisir un mode de jeu, vous allez dans l'onglet découvrir et vous allez dans l'onglet jouer à votre façon. Ensuite vous cherchez le mode de jeu mode créatif, vous le sélectionnez. Ensuite, vous appuyez sur triangle pour lancer le mode créatif. Vous pouvez aussi aller dans la boutique d'objets de Fortnite, appuyer sur carré et mettre le code créateur SCM pendant que le mode créatif se lance. Vous appuyez sur carré pour accepter. C'est pas obligatoire, mais merci à tous ceux qui le mettent. Ça soutient à fond la chaîne. Donc, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire dans l'espace des commentaires pour le soutien. Donc, quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 8 3 5 7 2 9 8 0 6 4 3 9. Ensuite vous acceptez, voilà comme ceci, et vous attendez que la map se charge. Donc normalement ça devrait pas prendre trop longtemps. Bien entendu les codes des maps seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc quand la map est chargée vous rentrez dedans, vous attendez que ça charge. Ensuite, quand vous êtes dans la map, vous allez en dessous du mot glitches d'XP, vous allez près du pad, et là, vous allez appuyer sur carré, et vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 4, 5, 5, 2, 3, 1, 5, 2, 8, 6, 9, 1. Ensuite, vous mettez point d'interrogation, V égale 118, pour la version 118. Très important, notez bien le même code que moi, pour être sûr que le glitch fonctionne chez vous. Donc là, vous avez l'image de la map. Ce que vous faites, c'est que vous allez près de cette image et vous appuyez sur triangle pour jouer en privé. Après, vous pouvez jouer en public. Ça fonctionne aussi. C'est la même chose. Sauf qu'en privé, ben, vous êtes tout seul et il n'y a personne qui vous dérange. Donc, c'est préférable. Moi, je vous le conseille. Donc là, vous attendez que la map se charge. Normalement, ça prend pas énormément de temps. Donc, on verra bien. Désolé. J'ai un peu la voix... rogue. Donc quand vous êtes dans la map, ben le jeu vous propose de soutenir un créateur. Donc vous appuyez sur triangle, vous mettez le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent. Vous êtes les boss. Et ensuite vous appuyez sur options. Vous allez dans paramètres et vous lancez le jeu. Quand le jeu est lancé, vous allez voir qu'il y a plutôt... Il y a plusieurs glitches dans cette map. Donc je vais tous vous les présenter. Il y en a 4 ou 5. Voire même un glitch XP AFK, mais ça je vais le présenter après. Donc première chose que vous allez faire, c'est prendre un cramponneur, donc un grappin. Après je pense pas que c'est obligatoire, mais je le prends au cas où. Voilà. Ensuite vous allez vers le shop. Voilà. Juste ici il y a une petite musique. Vous l'activez ou vous la désactivez. Enfin voilà, je vais l'activer, moi je l'avais déjà activé. Ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici au-dessus des armes. Hop, vous montez et vous vous laissez tomber. Et là regardez. Je prends, regardez à gauche, 4000 XP. Ok. Donc ensuite, ça c'est déjà le premier emplacement. Ensuite, le deuxième emplacement, c'est au-dessus du code créateur, le bouton. Voilà. Ce que vous faites, c'est que vous montez sur le truc social ici. Vous montez ici. Vous montez sur les lettres. Et là, vous allez gagner de l'XP. Donc là, je prends 3000 XP. À gauche, plus 2008. Plus. Ouais, donc 3000 XP. Alors, faut savoir que moi, j'ai glitché beaucoup aujourd'hui. Donc, je gagne pas beaucoup d'XP. Mais normalement, vous pouvez prendre jusqu'à 30000 XP. Hein. Donc, voilà. N'hésitez pas à tester et voir si ça fonctionne bien chez vous. Alors, ensuite, le troisième glitch, c'est ici, près du timer. Donc, vous montez comme ça. Ensuite, vous courez et vous montez juste ici. Voilà, désolé. Là, vous faites une petite danse quand vous êtes sur le timer. Et là, ça me rapporte 5000 XP. Ah non, 11000. Regardez, plus 11000 XP à gauche. J'ai eu plus 11000. Donc là, normalement, vous pouvez prendre genre 45000. Moi, je prends moins, mais vous allez peut-être prendre 45000, voire plus.
voire vous allez prendre comme moi si vous avez tryhard les glitches. Donc ensuite, quand vous avez terminé les trois emplacements que je vous ai montrés, vous retournez près du shop, vous allez près du personnage, vous parlez au personnage, vous mettez oui, oui, enfin rond, et là thanks. Là vous appuyez sur la petite bouton pour se téléporter, donc R2. Quoi? Pourquoi je peux pas l'utiliser? C'est bizarre ça. Impossible de l'utiliser. Attendez, je comprends pas pourquoi je peux pas l'utiliser. Ah, faut peut-être que je mette le code créateur, ouais, c'est peut-être ça. Donc, on va mettre le code créateur SCM. Voilà. Et là, non, je ne peux toujours pas l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vais me renseigner pourquoi ça fonctionne pas. Alors, c'est pas normal, ça devrait fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ah, voilà, ça a fonctionné. J'ai spammé le bouton R1 ou R2 et ça a fini par fonctionner. Donc là, quand vous êtes ici, ce que vous faites, c'est que vous montez tout au-dessus. Vous venez ici, au bord. Et là, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire normalement. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Alors, si ça fonctionne pas, ce que vous faites, c'est que vous descendez... Vous allez sur la droite là. Vous prenez le petit pistolet. Avec ce pistolet transformateur, vous vous transformez en une petite chaise qui est à l'intérieur. Et normalement, quand je vais aller derrière le comptoir, ça va me donner des XP. Bon, là, ça m'en donne pas. Donc, c'est assez bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un retour à l'accueil. Et je vais relancer la game pour voir si ça fonctionne. Peut-être c'est parce que j'ai fait trop de glitch. J'ai déjà pris tout l'XP de la map, je sais pas. Donc faut relancer. Quand c'est comme ça, vous gagnez pas d'XP. Relancez la map pour être sûr que ça fonctionne. Donc pareil, vous allez près du pad. Vous notez le code 8, 3, etc. Vous acceptez. Moi je vais dans la faille pour me faire téléporter directement. Ok. Donc là, on va renoter le deuxième code qui commençait par 4-5. 4-5, boum, on met bien le point d'interrogation V égale 118. Voilà. On appuie sur triangle pour jouer avec le groupe. Parfait. Donc là, on attend que ça charge. Donc quand vous gagnez plus d'XP sur la map, il faudra faire à chaque fois ça. Donc retour à l'écran d'accueil. Enfin, comme j'ai fait, et ensuite retaper le code, enfin les codes comme je fais pour retourner dans la map et farmer les XP en illimité comme ça. Donc vous relancez à chaque fois la map. Donc là on est dans la map, on appuie sur option, menu, lancer le jeu. Ensuite on va... Oups, je suis tombé. On va réapparaître hein, parce que comme je suis tombé... Hop. Là je vais vous montrer le glitch. AFK, donc normalement là ça devrait fonctionner. Donc on va vérifier ça. Donc on va parler au personnage. Ok, on met oui. Enfin rond X. Ok, on a les télécommandes. Je spam le bouton R1, voilà, ça fonctionne bien. Là je vais monter au-dessus. Je vais au bord. Et le bouton AFK en fait, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. On va réessayer avec le pistolet laser, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus, le bouton FK. Donc c'est bizarre. Hop, on va... Non, on va pas se téléporter en ça. Ah, aussi. Ça passe aussi. Ok, parfait, on se met là. Et ici, moi, je gagne pas d'XP. Donc peut-être que vous, vous gagnerez des XP, mais moi, j'en gagne pas, je sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, je vais réapparaître. Et je vais vous montrer le dernier glitch d'XP qui peut vous rapporter énormément d'XP. Donc faites bien tous les glitchs que j'ai présenté avant pour être sûr que le dernier glitch d'XP soit optimal. Donc vous allez près de la télé, vous appuyez sur carry, vous attendez que le bouton s'actionne. Donc moi je l'avais fait une première fois, ça m'avait pas donné beaucoup d'XP. Ensuite, je pense que si vous faites tous les glitchs que je vous ai présentés avec le glitch AFK, ça va faire en sorte que vous actionnez plusieurs choses dans la map. Donc je pense que quand vous allez faire ce glitch là, vous allez gagner plus d'XP. Donc là vous appuyez sur X pour continuer. Et ce que vous allez faire, c'est aller près de l'affiche où il est marqué XP. Ensuite, quand vous êtes près de l'affiche, vous appuyez sur carré. Et boum, normalement, vous allez gagner de l'XP. Donc là, j'ai gagné 20 000.
Donc normalement, vous allez peut-être gagner 60, 80 000. Hein. Donc là, c'était plus 10 000 à gauche. Et là, plus 25 000. Donc j'ai gagné 35 000 XP en vrai. J'ai gagné 35 000 XP. Donc vous, c'est possible que vous gagnez 60, 70, 80 000 XP. C'est possible, c'est parce que moi, j'ai glitché beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai pas énormément d'XP. Et en fait, ce que vous allez faire maintenant, si vous voulez farm, c'est tout simplement relancer la map comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous refaites tous les glitches. Par contre, je sais pas si ça fonctionne. Si après avoir interagi avec la télé, je pense que ça fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Donc vous refaites tous les glitches à chaque fois. Donc vous relancez la map, vous refaites les glitches. Et ensuite, en dernier, vous activez la télé. Et vous allez près du XP là-bas. Et vous interagissez avec pour avoir une grosse récompense d'XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit que le mec et ciao. Peace.